Hello, c'est Némiri Alpha. On continue l'histoire de Last of Us, Joël et Ellie. On est en fait dans une, je sais pas, une ville plein de bandits, Donc voilà, ça va être super, super, super. Et ouais, on est en train de faire un massacre. Pardon. C'est pas des bandits, c'est des chasseurs. J'espère qu'il y avait une putain Ellie, d'armée dans ce cache-toi. coin. Comment ils ont fait pour filmer toute l'équipe là-bas? Poursuivons la chasse. Je veux que ce soit bouclé avant la tombée de la nuit. Voilà. Bye bye. À les entendre, on dirait qu'ils ont peur de nous. Surtout, reste bien sur tes gardes. Je dis ça comme ça, mais je suis contente que tu sois de mon côté. C'était un compliment. D'accord. Ouais. Il est pas très réceptif par rapport à ça. Je pense, mais bon. Ça, c'est bon. Passe tranquille, écoute. Ouais, ils ratissent la zone en ce moment. Ils les trouveront peut-être là-bas. J'espère vraiment que ces intrus vont se montrer. Merde, ils finiront par sortir. Je crois que c'est ton jour de... Sans déconner. Bon, bref. Encore deux là. Et après un peu avancé. C'est quand même bien pratique cet arc. Je sais pas comment j'aurais fait ça en franchement. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Dodo. Je peux récupérer la... Ah si, je peux récupérer. Je vais bouger le truc. Voilà. Ok. Mais casse pas. Arzo. Il y en a 4. 4 machins. Hey, tu sais qu'ils ont fini par avoir le type et sa fille? Il reste qui? Juste le mec et la gamine, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et ceux qui étaient dans ce pick-up. C'est vraiment le bordel. Hey, combien de temps on est censé rester planté là à rien foutre? Je sais pas. Viens, on va aller voir les autres au bout de la rue. Oh merde. Ah non, mais c'est bon, je suis con. Mais non. Elle bouge plus. Hein. Ok. Ah, je suis vraiment full là. Excusez-moi, un pied de goutte parce que. Voilà, c'est parti. Oh bon sang, la survie à tout prix. Quoi? Le truc de la BD. Ouais. Ah, fais chier. Je vais même pas l'avoir celui-là. Allez, bouge. C'est là, oui. Merde. Alors, c'est comme ça que ça s'est terminé dans cette zone. Dans chaque bataille, il faut un perdant. T'imagines, s'ils avaient de la famille? Tout le monde a une famille. Bah ouais. Mieux vaut ne pas y penser. Comment pas y penser? Facile, un peu comme lui. Notre camion, qu'est-ce que c'est? Ok. Rien du tout. Ok. Tac.
Et c'est bon, on y va. Eh, fais-moi monter. Oui. Ok. Allez. Et voilà. J'ai rien oublié. Je sais pas. Ah, le pont. On y est presque. Là, il y a pas mal de blabla avec Ellie. J'ai vécu dans ce genre d'endroit, en zone de quarantaine de Boston. L'école préparatoire militaire. Ouais. C'est un orphelinat, en gros. Je me demande ce qu'ont pu devenir tous ces enfants. Cet endroit est fermé depuis un bout de temps. Ce ne sont plus des enfants. Donc, soit ce sont des chasseurs qui essaient de nous tuer, soit ils sont morts. Ou ils sont partis. Mais t'y crois pas. Je crois qu'il faut quitter cette ville. Allez. Et tu as raison. En voilà une autre. Ces affiches sont partout? Ouais, je l'ai vu, juste avant l'épidémie. C'est vrai? Et est-ce qu'il lui fait la peau? Personne ne meurt. C'est juste un film pour ados. Qui t'a emmené le voir, alors? J'en sais rien. Allez, reste concentré. D'accord. Alors là, j'en aurais besoin de celle-là. Et éventuellement ça. Prenons la ruelle. Ça va, reste à couper. Encore un. Oui. C'est fini. Je sais pas, vous. Non, mais. Calme-toi. Là, je cours. Go. Go, 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 go. Le paquet. Ah. Non, 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 non. Un genre de tourelle militaire. Respecte-toi. Oh. Avance, 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 avance. Ah, Joël. Je crois qu'on les a semés. Je te le dis. Oh putain. Ok. Je sais pas si lui faut un truc. Hop. Non, ça va.
va bien. Ils peuvent pas nous voir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Joël! Attends! Attends! Joël, arrête! Regarde! Laisse-le tranquille! Du calme, petit. Fais pas de bêtises. Ça va. C'est pas des méchants, eux. Baisse le flingue. Ah, oh, merde, tu frappes fort. Ouais, c'est parce que j'essayais de te tuer. Ouais, j'ai cru que t'étais avec eux aussi. Après, je t'ai vu. Vous avez peut-être remarqué, y a pas de gosses avec eux. La loi du plus fort. Tu saignes? Bon, non, c'est rien. Je m'appelle Henri. Lui, c'est Sam. J'ai cru entendre que tu t'appelais Joël. Ellie. Qui d'autre est avec vous? Ils sont morts. Hé, hey, on n'en sait rien. On était plusieurs. Quelqu'un a eu la super idée d'entrer dans cette ville pour chercher des vivres. Ces enfoirés nous ont tendu un piège. On a été séparés. Maintenant, on essaie de sortir de cette merde. On peut faire équipe. Ellie. Il faut qu'on se serre les coudes. Elle a raison. On pourrait s'entraider. On a une planque pas loin d'ici. On sera en sécurité pour parler. Ok, on vous suit. Suivez-moi. Vous êtes d'où? Nous, on vient de Hartford. Vraiment? On m'a dit que c'était pas la journée. Ouais, l'armée a abandonné la zone. Allez, gamin, passe. Alors, on est parti. Ah, que t'es dans le tof. Ça, c'est cool. Franchement, là... Ça va péter. Alors, ici, il n'y a rien. Ici. Salut. Bon. C'est quoi ce truc? Bon. Il faut qu'on soit prudent. On est près d'un des postes de surveillance. T'es seule avec ta fille? C'est pas mon père, c'est juste... J'ai un promis copain. À quelqu'un de veiller sur elle. Ouais. Je peux comprendre ça. Ok. Cool. Recharger, c'est bon. Bon, j'ai pas continué celui-là. Alors, ça, ok. Ici. Les munes, ça c'est bon. Et le petit bouquin. Ellie, j'ai trouvé une autre BD que t'as l'habitude de lire. Attendez, taisez-vous. Écartez-vous des fenêtres. Ils sont partis. Merde, ce foutu camion. Ils nous pourchassent depuis qu'on est arrivé dans cette... Sam, qu'est-ce que tu fais? Rien. Jette-moi ça. Mon sac à dos est quasiment vide. C'est quoi la règle sur ce qu'on prend? Mais ça pèse rien. La règle, c'est quoi? On prend le minimum. C'est ça. Allez, on y va. Hé, hey Henri, pète un coup. Il est loin, c'est cet endroit. Mieux. On arrive. C'est tout près. C'est un gamin, sérieux, quoi.
Il y ramasse en douceur, d'accord. On voit rien, on regarde pas, d'accord. Putain, il y a une tas de souvenirs à ce Henri là, franchement. Oh. Merde. T'as trouvé quoi? Ellie, tu nous couvres. On dirait qu'il y avait quelqu'un. Mais c'est parti. Sam. Sans toi, s'il te plaît. Ok. Faire un dernier tour pour s'assurer qu'on a rien. Point. Parfait. Ok. Va jeter un œil par là. J'ai fouillé cette zone. Parfait. Dans l'épaule, il est mort. Ok. Allez, montre-toi. Bah, t'inquiète pas, je suis là, mais me montrer, j'ai pas envie. Quoi? Ah, chier. Amen. Connard. Oh merde. Où est-ce que t'es? Voilà, bon. Je vais récupérer ici. Tout va bien. Pas mal pour un vieux. Allez. Et toi? Ah, il est brisé. Tant pis. On a deux, hein. Oui, t'inquiète pas, j'ai vu. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Par cette porte. Toi qui les connais bien, tu es certain que c'est sûr? Je suis le seul qui a la clé. Et d'où tu la tiens? J'ai tué l'un d'entre eux. Il lui servira plus. Allez, passez. C'est pas là. Alors, t'as quel âge? Non. Et toi, alors? Pareil.
C'est vrai. Tu viens? On y est. Bah oui, dépêche-toi. Bienvenue dans mon bureau. Ça fait longtemps que vous vous cachez ici? Ouais, quelques jours. Mais on a trouvé à manger. Viens. Des myrtilles? On en a toute une réserve. T'en veux? Non. Eh, hey, détends-toi. On craint rien. Alors pourquoi vous êtes pas parti? On attendait juste le bon moment. Et? Viens. Je vais te montrer un truc. Regarde ces fils de pute. Tous les jours, ils se retrouvent ici pour surveiller ce foutu pont. Mais le soir, ils sont plus que quelques-uns. Quand le soleil est couché, c'est notre chance. Vu ce qu'il reste, on peut leur passer sous le nez. C'est des conneries, hein. Ça peut marcher. Oh, ça va marcher. Ça va carrément marcher. Wow. Ok, prête? Aïe! Attaqué par une... Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu sourire comme ça. Elle a pas l'air de s'en faire beaucoup. Où est-ce que vous alliez? Il paraît que les Lucioles sont implantées quelque part à l'ouest. On peut les rejoindre. Ouais. Ça te fait marrer? Ah, j'ai juste l'impression qu'il y a un paquet de gens qui misent tout sur les Lucioles ces jours-ci. Ouais, c'est peut-être pas par hasard. Alors tu sais pas où ils sont et tu comptes lui faire traverser tout le pays pour les retrouver. Tu sais quoi? Tu vas me laisser m'occuper de mon frère et tu vas t'occuper de ta gamine. Mal fait. Détends-toi. Nous aussi, on cherche les Lucioles. On est là. Il y a une station radio militaire abandonnée à l'extérieur de la ville. Les survivants de notre groupe sont censés nous retrouver là, demain. Si toi et ta fille voulaient venir, c'est cette nuit que ça se passe. On devrait se reposer un peu alors. Il dit qu'il faut qu'on y aille. Bon, on y va, écoute, hein. On va devoir être rapide, d'accord? Alors peu importe ce qui se passe, tu me colles. Je te colle. Me colle. Compris. Bien, bien. Bon, tout le monde est prêt? Ouais. Ok. Ne vous éloignez pas, ok? Genre, ouais, c'est ça. Rassurant. Relax, grand-père. J'espère que tu connais le chemin. Avance, gamin, avance. Grand-père, l'autre. Par ici. Ok. On s'en débarrasse discrètement. Bon, à toi de jouer. Hey, ça marche. Comment ça va? J'essaie de me réchauffer. Qu'est-ce que ça donne là-bas? Oh, tu veux l'éviter, faire du bruit, faire des bouteilles, l'autre. Ah, foutre. Ah, sérieux. C'est bon. Oh, oui. Allez, voilà, bon. Tu me t'attends deux secondes. Alors ça, c'est bon. Hé, t'entends ça? Un claqueur? Ouais, je l'entends, mais je vois que dalle.
Regarde, le voilà, là. Putain, t'es fait foiré. Garde ton sang froid. Oh, t'inquiète pas, regarde ton froid. Oh merde, essayez de vous planquer. Ouais, ouais, t'inquiète pas. C'est parti. Te voilà. Oh merde, 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 merde. Wow. Ah putain, c'était quoi ça? Sérieux? Y a pas une seule munition, ça c'est dégueulasse par contre. Ça c'est dégueulasse, bon. Ici, rien. Sur vous, il n'y en a plus. Putain, oh chier. Ok. Henri, file-moi un coup de main. Oh non, ah, c'est bon. Allez, venez. Man. Allez, va jeter un œil. Man, t'es professeur. T'es pas dans le prêt. C'est bon. Sam, amène-toi. Allez, petit, on y va. Allez. Merde. Allez, vite. Faut le faire monter. Désolé. On s'en va. Quoi? Non. Quoi, tu déconnes? Allez, viens. Qu'est-ce que tu fous, Henri? Je pars pas sans toi. Comment on sort d'ici?
secours. On dirait qu'ils le sont trouvés. On se déploie. Ils pourraient venir ici. Ça, ça marche pas, c'est normalement. Ah, merde. C'est tout ? Non. Non, elle me disait que c'était pas tôt. Putain. Ok. C'est bon ? À d'autres ? Coucou ! Ok. Il y a aussi un bug ici, mais j'espère qu'il n'y aura pas. Putain. J'espère qu'il n'y a pas de bug. Oh putain. Il est chiant celui-là. Non, il n'y a pas de bug, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils vont nous tuer! Tu vois une autre solution? On saute! Non, c'est trop haut et tu sais pas nager. Je vais t'aider et tu vas t'enfuir en courant. Oh merde! Tu m'aideras à nager! Ellie! Pas le temps de discuter! Ellie! Fais chier! Putain. Henri, il est réveillé. Joël, on est vivant. Okay. Tu vois, je te l'avais dit, pas vrai? Il est vivant, tout va bien. Ta gueule. Sais, c'est Sam qui vous a vu. Vous étiez sur le point de vous réveiller. Hey, ça va? Qu'est-ce qui te prend? Henri, recule, petit. Il est énervé, mais il va rien faire. T'es sûr de ça? Arrête! Joël! Il nous a abandonnés là-bas. Non. Vous pouviez vous en sortir, et vous avez réussi. Mais revenir vous chercher, c'était le mettre lui en danger. Recule. Si ça avait été toi, tu serais revenu pour nous? Non. Je t'ai sauvé. Il sait plus quoi dire, l'autre. Il m'a sauvé aussi. On se serait noyés. T'inquiète pas, je vais bien. Pense ce que tu veux, mais je suis content qu'on vous ait vu. Bon, la tour radio est derrière cette falaise. Ok ? Il y aura plein de vivres là-bas. Tu vas être heureux de pas m'avoir tué.
Eh, on va fouiller cette zone pour voir ce qu'on trouve. Bah écoutez, je pense que je vais finir ici. C'est une belle fin, je trouve, cet épisode. Et puis ben, puis voilà quoi. C'était tendu. Ça va? Mais oui, ça va. Ouais. Allez. Allons à la prochaine. Ciao ciao.